On est déjà au jour J. Hein. Première galère, on arrive déjà à la station pour gonfler les pneus et ça marche pas. Alors qu'on est déjà en retard. Hein. Il est presque 9h, les gars, on doit arriver pour midi là-bas. J'ai peur qu'il y ait des bouchons. Donc on va vite aller chercher du coup une deuxième station avant d'attaquer. Oh mon dieu, déjà une première galère. Mais frérot, j'ai essayé de tout anticiper justement pour pas avoir des problèmes comme ça. Et là, je me retrouve avec un pneu que j'arrive pas à gonfler. Je sais même pas si les quatre pneus sont bien. Putain, mais comment on va faire? Je vous montre vite fait la petite bête du coup qui va nous accompagner pendant le voyage. Regardez-moi ça les gars. Tout ça, plein d'axes à mort les gars. On peut pas voyager, aller au Maroc sans prendre un maximum d'affaires. Vous nous connaissez les gars. Et le pire, c'est que tout ça, c'est pas un mois pour... Mais bon, t'inquiète, on rend service à la daronne parce que c'est comme si c'était nous. Bon, heureusement, il y avait juste un petit problème avec la machine. Celle-là, elle marche bien et on va pouvoir gonfler tranquillement et partir. Les gars, profitez de la vue des montagnes parce que c'est la toute dernière fois dans cette vidéo où vous allez voir la montagne. À partir du coup de peut-être 10-15 minutes, les gars, il n'y aura plus du tout de montagne. On va directement partir prendre la route de Marseille. On a réussi à gonfler les pneus, ça c'est déjà une très très bonne nouvelle. Je vous montre rapidement les gars l'itinéraire que nous avons. Il est actuellement 9h12 du matin. L'arrivée, elle est prévue pour 11h57. Donc 2h45 de route, 323 km à peu près. J'espère que tout va bien se passer les gars, de toute manière vous restez avec nous. La route c'est parti, on fait la prière du voyage, bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhana alladhi sakhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hada albirra wa taqwa wa min al'amali ma tarda. Allahumma hawwin alayna safarana hada wa atwi 'anna bu'daha. Allahumma anta as-sahibu fi as-safar wa al-khalifatu fi al-ahl. Allahumma inna na'udhu bika min wa'ta'i as-safar wa ka'abati al-mandar wa su'i al-munqalab fi al-mali wal ahli wal walad. Les refs, je sais qu'il y en a qui sont très très curieux parmi vous. Du coup, je voulais vous montrer un petit peu le kilométrage de départ. Là les gars, on n'est pas encore parti, ça fait, on n'a même pas fait 20 km encore. Vous voyez la voiture, elle est à 86 969. Donc je vous ferai un petit point une fois qu'on reviendra à Grenoble, parce que comme vous le savez les gars, en fait il y a plusieurs vidéos qui vont sortir vlog et ça va du coup durer jusqu'au retour pour que vous ayez une petite idée de combien de kilomètres en tout ça a pris, sachant qu'on fait pas la route de l'Espagne. Vraiment, si on faisait l'Espagne là, ça aurait été très très long et on aurait vraiment fait beaucoup de kilomètres. Mais là, vu que du coup on prend le bateau à 7 au sud de la France, bah du coup ça nous évite pas mal de kilomètres. Mais par contre, on va bien tourner au Maroc. Donc ouais, ce sera intéressant de voir combien de kilomètres on aura fait en tout, les gars. Oh là là, on n'en a pas fini avec ce pneu. On vient tout juste de le gonfler. Là, ça m'affiche déjà encore une fois un problème de pneu. Mais qu'est-ce qu'on va faire, putain. Allez, la première aire de repos là qu'on trouve, on va rentrer dedans. Allez, c'est parti, Inch'Allah, tout ira bien. On va pouvoir tout rééquilibrer. J'espère juste pas de pneu crevé. Parce que franchement, si y a un pneu crevé, c'est la mort du voyage. J'ai pas de route de secours. Bon les gars, je sais pas si vous m'entendez, mais là on a trouvé une meilleure machine sur l'autoroute avec le problème qu'on a eu comme vous avez vu. Du coup en fait celle-là, je sais pas si vous voyez, mais je peux régler justement le truc de barre que je veux. Et c'est exact, c'est pas comme celle qu'on avait fait ce matin. Donc là les gars, je vais pouvoir tout recontrôler et enregistrer dans la voiture, comme ça, ça me dit s'il y a un souci. J'avais jamais eu de problème, jamais les gars, de perte de pression ou quoi, c'est la toute première fois. C'est trop bizarre, je sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça, on va faire avec. Et en plus ça c'est gratuit, alors que l'autre les gars, on a dû payer genre au moins 5 balles. Pour à la fin les gars qui sont même pas gonflés, ouais. Des gros des pigeons, tu sais. Fausse alerte, pas de crevaison ni rien, c'est reparti. Là, il ne nous reste plus qu'une heure de route à peu près, 1h20 même au plus je dirais, on voit déjà des bouchons. Ça fait peur parce qu'on a essayé d'anticiper et sortir un petit peu tôt, mais là quand on voit les bouchons, on se dit à tout moment ça dure pendant 1h, 2h et on peut arriver très très tard pour notre bateau. Franchement, on a peur. Les refs, il nous reste à peu près une trentaine de minutes pour arriver. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est garé juste là et on va passer à Carrefour pour acheter quelques petits trucs. Regardez. C'est juste là les gars, on va prendre quoi manger parce qu'apparemment les gars dans le bateau, bah en fait il n'y a pas trop de bouffe et c'est un peu trop cher, donc on va aller juste là les gars à Carrefour, on se prend quelques petits trucs à gras et je vous montre ça. On avait prévu de prendre les repas principaux dans le bateau, donc dans le restaurant, mais bien entendu pour tout ce qui est petit déjeuner, goûter, etc. Là bien sûr les gars, on va acheter des petites choses, c'est parti. Chupa Chups, une sucette en boisson, t'avais déjà vu? Incroyable le sud. Ça va les grailles à vos McDo? On va se prendre des menus filet aux fiches, voilà la joie. Dis-toi que là, dans 2 jours, il n'y aura plus de filet aux fiches. Ce sera trop bien, allez viens. Là quand on arrive, on se dit mais c'est pas possible, comment il peut y avoir autant de personnes? On nous avait dit que dans le sud il y avait du monde. Là on n'est pas très très loin de 7, on est à 10 minutes, un quart d'heure et le monde qu'il y a dans ce McDo, c'est une dinguerie. Comment on peut faire pour aller chercher un sandwich? Et le pire c'est que c'est même pas halal, ça veut dire que tu vas attendre, tu vas faire la queue et au final tu vas manger un truc que tu vas même pas trouver bon, mais c'est quoi ça? C'était impossible de manger dedans.
C'est Bagdad. Bagraïsa. Et après on y va. Il reste quoi, 30 minutes à peu près pour 7. Ouais. Après on va arriver à 14h, ils ont dit 4 heures avant l'enregistrement, donc ça va être tout pile. Hein. Mm-hmm. On voulait arriver tôt, mais bon, ça va bien se passer. Hein. Tout vient de se bien passer, alhamdoulilah les gars, on a trouvé très facilement le port, l'entrée pour GNV, on rentre pour se stationner. On nous explique très très bien comment ça fonctionne, il faut qu'on s'installe les gars dans les fils. Bonjour, on se gare au frère. Là-bas. Ça marche. À droite, il sert à droite, c'est bon? Vas-y, ça marche. Incroyable. On s'est là, papa. On part en bateau. Et après, on fait. Il y a des voitures. Il y a des voitures quand même, machin là. Mmh. Du coup, on s'est garé juste là-bas. Et on va aller faire l'enregistrement quelque part par là. Mais regardez, il y a plein de voitures. En vrai, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde parce que c'est quand même le 10 août. Donc, il y a pas mal de personnes qui sont déjà parties. On est arrivé aussi tôt, donc on va voir les gars. Il faut monter à pied pour faire l'enregistrement. Là, il faut faire la queue pour l'enregistrement. Tout à fait normal, on comprend. Il y a beaucoup de monde et vu que c'est climatisé, il y en a beaucoup qui restent là après avoir fait l'enregistrement. Ils préfèrent ça à leur voiture. Du coup, il y a des gens qui sont allongés, qui dorment par terre. Il y a des enfants qui courent de partout. Je me crois chez moi là déjà. Bon, c'est un petit peu ça. Quand on est entouré de personnes de chez soi, bah, c'est comme si on était chez soi au final. Allez, on fait la queue. Et là, il y a un petit homme un petit peu désagréable. Hein. Au niveau des guichets, il y avait 3 personnes. Il y avait 2 femmes arabes du coup qui parlaient avec les gens arabes. Il y avait un français qui ne parle pas arabe. Et lui, par contre, il prenait de haut les gens. Donc j'ai dit à Hossein, on va bien préparer nos documents. On va passer rapidement. On lui donne tout. Il nous remplit nos trucs. Et bim, basta, on se casse. On a fait notre enregistrement là-bas. Du coup, c'est bon. On a les petits billets ici. On est garé juste là et comme vous le voyez, le bateau il est tout au fond. Donc les gars, normalement là dans une heure, on va l'attendre dans la voiture. Dans une heure, ils vont nous ouvrir et on va pouvoir rentrer. Je vais vous montrer tout ça. Ça va être incroyable. Et juste le temps qu'on aille faire l'enregistrement et qu'on revienne, bon ça a duré à peu près 45 minutes. Regardez-moi le nombre de voitures qui sont arrivées. Après c'est normal hein, les gars, le bateau il est immense. Mais bon, franchement, ça choque comme spectacle. Par contre, tout est bien organisé. Les gens s'arrêtent au bon endroit et voilà, on nous guide et tout. Donc tout est bien fait. Oh, enfin ça avance, t'as vu? Regarde, ils sont en train d'avancer, ils sont déjà en train de rentrer. Donc je pense qu'en fait là-bas, toute la première ligne va rentrer en première, la voiture noire, tu vois. Et une fois qu'eux ils finissent, ils vont faire la deuxième ligne, troisième. Et nous on est en quatrième. C'est incroyable. Par contre, les camions ils rentrent quand? T'as vu ou pas? Je pense qu'ils vont les rentrer en dernier parce qu'ils sont gros. Mais après, ils vont sortir en premier. Mais non, moi aussi je vais rentrer en dernier. Comme ça, on sort en premier direct en jab. Allez, c'est enfin l'heure où on va passer. On va aller dans le bateau. Ça commence à avancer. Bon, on ne manque pas de nous le dire. Derrière nous, ça klaxonne bien fort. Donc, on prend directement la route. C'est parti. Bismillah, Inch'Allah. Tout se passera bien. Qu'est-ce qu'on raconte là, mon cousin? Je ne sais pas du tout dans quel ordre on part et comment et où est-ce qu'on va. On suit les gens. On arrive à un premier passage de douane. Déjà, les gars, on arrive, on nous pose une question. Ça aussi? Je pense. Je suis pas sûr. Bonjour. Rien de particulier à déclarer? Pardon? Rien de particulier à déclarer? Non, à la douane? Non, rien. Et quand il me dit ça, j'ai juste envie de dire oui, frérot. Alors, j'ai 40 kilos de coque là derrière dans le coffre, frérot. Vous allez où au Maroc? Casablanca. À Casablanca. Ouais. Ça, Casablanca. Vous connaissez un peu? Un peu, oui. Vers Ain Sbah. Ain Sbah. Vous connaissez? TV2M, c'est ça? C'est ça, pas loin. Café océanique, tout ça. Exactement, vers le Marjan, je sais pas si vous voyez c'est où. Ouais, je vois très bien. Ah, quand même. Vous connaissez tout, hein, c'est Google Maps. Hein. En fait, c'est ici qu'ils font les contrôles des passeports, Océane, t'as vu? Ouais, genre là, ils vont nous contrôler les passeports, on est passé juste à côté, le mec il nous a dit vous n'avez rien à signaler. Mais frère, c'est quoi ça? Et là, je pense juste qu'ils vont regarder vite fait et ils nous laissent passer. Mais genre là-bas, c'était la douane, en mode là-bas, c'était les affaires. Ils s'en foutent, ils laissent tout le monde passer. Là, les passeports, et après, je pense que c'est bon, on est dans le bateau. Inch'Allah, ça passe vite. Regarde, le droit que tu me dis, c'est. Bah, y'a rien, à part ce truc. Là, c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est carré. Deuxième checkpoint, contrôle des passeports. Là aussi, les gars, ça va très très rapidement. J'ai réussi à bien me garer sur le côté droit et bien serré, comme ça, Hossein pouvait passer de la fenêtre. Il y avait certaines personnes qui ne faisaient pas très très attention et qui étaient un petit peu plus loin du coup que le poste. Donc, ils descendaient à pied. Nous, ça allait très très rapidement, les gars. Bonjour. Vous voulez que j'enlève les lunettes peut-être, non? Ça ira? Merci, bonne journée. Au revoir. On n'a pas demandé si on doit aller tout droit, si on... Bah, il n'y a qu'une seule route. Bah, écoute... Faut pas faire demi-tour, hein. Après, il vérifie encore? Je l'arrange pas.
Il est là le bateau. Là, on voit le bateau, mais c'est magnifique, il est énorme, il est énorme. Et là, les gars, c'est déjà les frissons, on se dit, c'est ça. C'est ce truc-là, les gars, qui va nous emmener de 7 jusqu'à chez nous. Là, on monte dans le bateau, les gars, il y a une petite pente, donc il faut faire attention à ne pas caler et retourner sur celui qui est derrière nous, ça se passe très très bien. Et là, on arrive à avoir une très très belle place, il y a la personne qui gare un petit peu toutes les voitures, qui nous indique qu'on va se garer juste devant les escaliers, qu'on va être tout seul, il n'y aura pas de voiture devant nous, ni voiture derrière nous, qu'on va être super bien installé. Et du coup, voilà, j'ai fait ma petite manœuvre tranquillement. Il me guide, il me montre comment je fais et tout, et franchement, ça se passe super bien. On doit monter. On doit monter à Yep. On doit prendre nos affaires. Qu'est-ce qu'ils font les gens devant? Ils sortent, je sais pas, ils ouvrent le coffre. Je sais pas ce qu'ils font, moi. C'est on doit prendre. Bien gérer le créneau, non? Il y a toutes les voitures là-bas. Bon, on monte, on voit c'est quoi la cabine qu'on a. Let's go. Notre suite est au 11e étage, donc il faut monter à pied. Les ascenseurs, c'était une blinde, les gars. Fallait oublier, il y avait trop de monde qui attendait les ascenseurs, des personnes qui étaient âgées et tout. Et surtout, en fait, il y avait des tout petits ascenseurs, donc c'était pas possible de monter dedans, en fait. Ou sinon, fallait attendre très très longtemps. Ousmane m'a dit, bah, peut-être on attend l'ascenseur, je suis fatigué. Il dit, allez, on est jeune, on a 24 et 23 ans, là, on va monter. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je cherche une chambre pour dormir ce soir. Est-ce que ça pourrait être ici? Non. Comment ça, non? Non. Par contre, c'est climatisé. Ouais. Là. Les gars, ici, c'est l'entrée en fait de la suite. On vient d'arriver. Du coup, vous rentrez ici dans la suite. Il y a un petit ici rangement, les gars, où vous pouvez poser vos trucs, petit truc pour les vêtements et tout. Les gars, sachant qu'on reste que 2 jours, donc 48 heures, on fait 2 nuits, cette nuit et demain soir. Ensuite, les gars, vous arrivez ici, vous avez du coup la salle de bain. La salle de bain, les gars, voilà, elle est franchement, elle est propre, les gars. Vous pouvez prendre autant de douches que vous voulez. C'est pas payé en fonction, les gars, de la quantité d'eau que vous utilisez. Donc, tranquille, tranquille, au bilou. Ensuite, les refs, ici, on a une toute petite télé. Je sais pas ce qu'on capte dans la télé. On verra bien ce soir, les gars. On testera en même temps avec vous. Ici, les gars, 2 petits canapés où vous pouvez mettre des affaires. Et surtout, les gars, le lit de 2 places. Franchement, c'est pas mal. C'est tout petit. En vrai, pour le prix que ça a coûté, je m'attendais peut-être à quelque chose d'un peu mieux, mais en vrai de vrai, les gars, on est dans un bateau, on n'est pas dans un hôtel, donc voilà. En plus, on a une petite vue, les gars, sur la mer, il y a ces petits paquebots qui gênent. Mais bon, j'ai dit à Océane, en cas de coulement de navire, au moins on peut y échapper très vite. Oui, je croyais que c'était un miroir, là. En fait, c'est un autre couloir. Tu ne disais pas que tu ne voyais pas dedans? Ah ouais? T'es trop intelligente en fait. Pourquoi t'as pas fait un doctorat d'ailleurs? Allez, avance. On a fait des liens là, là. Les gars, c'est incroyable le spectacle que m'offre la vie. Mais c'est une dinguerie. C'est trop beau. Oh, mon Dieu, je suis trop haut. Je me sens comme le roi du monde. Apparemment, les gars, j'ai vu des gens dire si on se jette de là, on meurt. Zama, on est tellement haut qu'on meurt. Je sais pas si j'y crois. What? Hossein, on fait voler le drone. Mais t'es malin.
On décide de se faire un petit tour un petit peu dans le bateau pour découvrir, pour savoir ce qu'il y a, parce qu'il y a une grande notice où c'est marqué salle de jeu, restaurant, self-service, bref, plein de trucs. On se dit on va faire déjà un tout petit premier tour découverte. Et là, on commence à voir les différentes classes de personnes, on va appeler ça. Du coup, il y a les personnes qui dorment juste par terre, qui bivouaquent tout simplement à côté d'un escalier ou entre deux couloirs ou quoi. Il y a des personnes qui, du coup, ont pris un siège. Donc, en fait, ils ont un siège qui est numéroté et ils dorment dedans. Il y a des personnes qui sont dans des cabines en famille et il y a du coup les personnes qui sont ensuite. Qu'on se fait un bon petit tour où on regarde un petit peu tout ça. Il y a beaucoup de choses encore qu'on n'a pas vues et qu'on va pas tarder à faire, mais franchement là déjà, on commence un petit peu à comprendre le fonctionnement. Il est actuellement 19h01, on vient de se doucher les frères. Le bateau vient tout juste de commencer à bouger, on s'est changé tranquillement et tout. On va aller en haut pour regarder un petit peu les gars comment ça bouge et voir la terre s'éloigner, ça va être un beau spectacle. Waouh, regardez par contre la pollution de... En gros les gars, ça sort de là-bas. Et en gros, bah, ça va jusque là. C'est incroyable. Ce drapeau, je crois, c'est le drapeau de la... Comment ça s'appelle, on appelle ça ? La marine italienne, c'est ça ? Ouais. Et regardez la trace qu'on laisse au sol. Elle est énorme, cousin. Bon, l'appareil, il a du mal un peu à focus parce que je le pousse dans tous les sens. Mais bon, au moins, les gars, ça va vous permettre de voir un petit peu l'envers du décor. Mais c'est incroyable. Franchement, c'est trop beau. Quand il n'y aura plus rien autour, les gars, ça va être dingue. Vous savez quoi ? On se fait une transition tout de suite, les gars. Quand il n'y aura plus rien autour. Ouais, c'est vrai, il y a déjà rien. Là, il y a des trucs. Allez, 1, 2, 3. Regardez, les gars. Il n'y a rien, frère. Que le vide. La vue de la mer est incroyable. Franchement, c'est super beau. T'es tellement haut en plus de ça. Il y a la mer qui t'entoure. Et en fait, c'est différent. Au début, il y a encore un petit peu la ville. Du coup, il y a encore un petit peu des voitures. Il y a un parking. Il y a une mairie à côté. Il y a une église. Donc, tu vois que certaines petites choses. Mais c'est tellement beau d'être au milieu de la mer. Sam, on va manger. On commence vraiment à avoir faim là. Allez, transition. La craie. Oh, c'est pas mal parce que c'est italien en fait. Du coup, il y a pas mal de spécialités. Après, le problème, c'est qu'ils ont des lasagnes, mais lasagnes sans gluten. Moi, j'ai peur, ça me rend malade sans gluten. C'est quoi ça? Je ne fais pas confiance. Ah ouais, lasagne sans gluten. Du coup, bah, on va partir sur des pizzas, je crois. Tu veux prendre quoi du coup? Margarita. Juste pizza margarita? Mais moi, il y a ça, j'aime bien, je crois. Regarde, je pense que ça pourrait être bon. Celui-là, burger au poulet, 180 grammes avec légumes. Tu penses? Ouais. Bonsoir. Oui. Une pizza margarita. Et ça, le cheeseburger au poulet, celui-là. Cheeseburger, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas? Il n'y a pas de cheeseburger, ok. Bah, je vous prends une pizza. Elles sont toutes à l'âle, les pizzas? Ouais, tout. Celle-là, elle est au poulet, non? Oui, jambon non, jambon, mais c'est le poulet à l'ail. Ouais, je prends celle-là, poulet à l'ail. Je prends un Coca Zero. Oui, c'est juste de l'eau. Et ben, de l'eau. Ça sera bon. Ouais, merci. Ils proposent des animations et tout. Bon, c'est pas le genre de truc que moi je kiffe honnêtement, les gars. Même les personnes mariées, je sais pas comment ils peuvent faire ça. Mais bref, des danses orientales, des meufs qui passent de tous les côtés. On a vraiment essayé de ver ce qu'ils regardent la meuf parce que sinon, bah, elle va croire qu'on est une clientèle fidèle et elle va directement venir danser à côté de nous pour nous demander de l'oseille. Alors, Orti, je suis ni intéressé par le spectacle ni intéressé par l'oseille. C'est Mhelia, mais c'est comme ça. Moi, je me retourne pas. Moi, je me retourne pas. Parce qu'elle nous voit comme des proies. Oh, c'est arrivé manger. Bonsoir. La margarita ici. Merci. Un top. Merci beaucoup, c'est gentil. On a eu un timing de fou. Mais ouais. C'est petit ou c'est moi? Non, ça. Oh, c'est 17 balles ça. 17 balles. Je vais la manger avec la fourchette et la machin. Je vais la rentabiliser. Oh, Zen. D'habitude, je ne mange pas les bords. On va laver les grailles. Les gars, regardez la vue, on a ouvert les rideaux à côté. C'est magnifique. C'est incroyable, non, ça. On est en train de manger sa pizza, moi aussi. J'ai enlevé les cornichons parce que j'aime pas, enfin les champignons.
j'aime pas trop, mais sinon ça va, on est là. On goûte et franchement, moi c'est une grande déception. Bah, Océane, un petit peu moins, parce que la pizza margherita, bon, c'est quand même simple, les gars, on connaît le goût, on peut pas s'attendre à autre chose que ce que c'est. Alors que moi, les gars, bah, j'aime bien le poulet, il y avait que ça au poulet. Mais bon, je regrette, parce que c'était pas des bouts d'escalope, c'était du poulet haché bizarre, tu vois. Non, je regrette, honnêtement, non, je referai pas. Bon, les gars, on a tout dégommé, on a fini de graille. J'en ai laissé plein, hein. Regardez, plein, plein, plein. Océane, elle a tout mangé. Putain, ah, t'as laissé un petit bout quand même. Ah ouais. Petite bouteille d'oeil, on en a laissé un peu, moi, le coca, j'ai dégommé. Le soleil là-bas, il s'est couché, vous avez vu, il est plus là. Donc on va aller payer, et on se retrouve en haut, les gars, un petit dernier plan de la terrasse, et après on va aller se coucher. Wow, les refs, en vrai, il y a beaucoup de voix, il y a vraiment beaucoup de voix, mais c'est super beau, hein, vous voyez la lune et tout. Je vous fais cette voix off pendant que je suis en train de faire le montage, parce que je me rends compte que c'est juste inaudible, il y a trop de vent, j'ai vraiment pas calculé ça. Je pensais que malgré ça, les gars, on allait réussir à entendre. En tout cas, les gars, c'était juste pour vous remercier de votre présence. On arrivait justement à la fin de cette vidéo à ce moment. On va se faire du coup un deuxième épisode du coup de cette traversée, de ce trajet tout simplement. Et sur celui-là, il va y avoir du coup tout le trajet jusqu'à Casablanca. J'espère du coup que cette première partie vous a plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour suivre l'aventure. Je poste beaucoup de stories sur mon Instagram qui est disponible en description. Exactement la même chose, les gars, sur TikTok. Il y a pas mal de posts qui arrivent. Donc n'hésitez pas à me suivre un petit peu sur tous les réseaux. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une agréable soirée et à très très vite. C'était Wadel. Ciao, ciao tout le monde.